Yep. Yo. Lupe. Yo. Lupe. Yo. Lupe. Yo. Ah, ça y est, j'ai réussi. Bienvenue pour cet unboxing. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc, je vais commencer par ça. Voilà, pour j'ai les cartes Pokémon. Donc, il faudra que j'enlève la protection, là. Et voilà, je vais pouvoir en ranger plein. Yes. Très beau. Et j'en ai un autre. Donc ça vient, tout vient de Vinted. Ça m'a coûté avec les frais de port à peu près 12€ le tout. Hein. Les deux là. Petite préférence avec celui-là. Ensuite j'ai acheté un Lowi. Alors, on va commencer par celui-là. Un Medtrex. Voilà, il est complet. Et en très bon état. Le deuxième, c'était Billy the Wizard Rocket Broomstick Racing. J'ai un mauvais accent anglais. Hein. Complet, très bon état. Donc, bah, faudra que je les teste hein, parce que c'est pas des jeux que je connais. Dans ce lot-là, j'ai aussi eu ça. Donc, en tout, j'ai payé avec les frais de port. À peu près 11€ il me semble. 11€. Donc j'ai déjà des livres comme ça mais je les ai toujours pas lus. J'ai le bah, j'ai les trois premiers tomes en fait et là c'est le quatrième. J'ai toujours pas lu. Ouais, peut-être que je m'y mette. Donc voilà, 11€ le tout. Ensuite, un puzzle Pokémon. Que lui je l'ai. Avec les frais de port, je pense que j'en ai pour 5€ en tout. Bon, malheureusement, il y a eu un petit problème là au niveau de la livraison. Il s'est pris un petit boss. Bon, tant pis. Et voici l'intérieur. Donc, ça a déjà été utilisé hein, parce que normalement, quand c'est neuf, c'est dans les sachets. Voilà. Ouais, si un jour j'ai envie de le faire, bon, bah, je le ferai. Hein, mais après, faut être patient et ça, la patience, c'est pas trop mon truc. Encore ça va, j'ai des puzzles bien plus compliqués avec 1000-1500 pièces. Donc là ça va encore quoi. Ça se fait assez rapidement je pense. L'univers c'est fait. Ensuite. Oui, il y en a pas mal aujourd'hui. Hein. Il y a celui-là que j'avais pas encore déballé, ce que je viens d'aller chercher. Alors. Donc là de base c'était aussi pour un puzzle. Voilà. Voilà. Et de quoi faire. Donc là il y a 150 pièces. Donc ça doit être pour ça que c'est à partir de 7 ans. Parce que l'autre il y a 200 pièces et c'est à partir de 8 ans. Donc le puzzle il m'a coûté pas grand chose hein. Ce puzzle là je sais plus exactement le prix mais moins cher que l'autre il me semble. Sachant qu'en plus il m'a rajouté tout ça avec. Je vais vous présenter ça un par un. Du coup j'ai dû payer en tout avec les frais de port là-dessus 5€. Donc ce puzzle là il m'est revenu moins cher quoi, parce que j'ai des livres en plus quoi. Bon par contre je crois qu'il y en a un que j'avais déjà. Là c'est celui-là. Celui-là je pense que je l'avais déjà. Donc, pour dessiner les Pokémon, je regarde si ça a été utilisé. Non, ça peut... non il est tout neuf. Donc il faudrait que je regarde mais il me semble que je l'ai déjà celui-là du coup. Je dessine les Pokémon. Ensuite, Sacha et ses amis. Là c'est coloriage. Hop, donc c'était dit qu'il manquait quelques autocollants. Donc, bon bah, c'est pas très grave hein, vu que j'ai eu ça gratos avec le puzzle. Ça a été un petit peu colorié là, c'est pas bon. Ça a été un petit peu colorié là. Là celui-là c'est bon, nickel. Là aussi
Ouais, y a pas grand chose qui a été utilisé dedans, donc ça va. Mais des calcos de Kalos. Je regarde dedans. Ouais, ça a été utilisé un petit peu là. Ça a été un petit peu découpé. Bon, il reste des Pokémon à découper, hein. Je sais pas ce que je vais en faire, hein. Je pense que je vais les laisser dedans. Sinon, ça va se promener partout. Bon, voilà, après, le reste, les autres pages sont en très bon état. Voilà, nickel. Ensuite, j'ai un magazine Pokémon officiel. Ah, j'en ai plein des magazines comme ça, mais celui-là, je l'avais. Dommage qu'il est un petit peu abîmé, là. Une petite déchirure, là. Je vais le garder quand même. Hein, mais ouais. Je mettrai un petit bout de scotch, là. Ça se voit un peu moins. En route pour la nouvelle saison. Ouais, enfin, c'est pas les saisons que je préfère. Hein. Je préfère les premiers. Allez, les 10 premières saisons, c'était bien. Après, j'ai décroché. Bon, par contre, niveau jeux vidéo, les Pokémon, ça reste top. L'animé, franchement, ouais, j'ai décroché. Les scénarios, tout ça, c'est plus comme c'était au début, quoi. J'ai décroché. Ça m'a l'air d'être un petit poster. Ah, c'est collé. Ah, il y a un bout de pâte à fixe. J'ai accroché. Hop. Donc, recto verso. Donc là, c'est assez joli. Et là, un petit peu moins. Voilà, il y a les autres couleurs qui ont été mis dessus. Ouais, moi, si je l'accroche, je le mettrai comme ça, quoi. Oui, je vais l'accrocher. Ou je sais pas, mais je vais essayer de trouver un petit coin. Encore de la place sur les murs. Pour en profiter. Ah, encore des autocollants. Ouais, je vais pouvoir décorer. Pouvoir décorer plein de choses. Ouais, je vais décorer mes meubles. Alors ensuite, c'est un livre un peu plus épais. Ah, dommage qu'il est un petit peu abîmé. Très beau livre. Là il est abîmé là en fait, c'est dommage. Là on met peut-être un petit peu de scotch aussi. Et alors voyons voir l'intérieur. Ah, il y a une pochette, je sais pas, je l'ai pas celui là mon poupée de calo, ça c'est peut-être, je crois que je l'ai déjà lu. Ça me dit quelque chose. Dans la pochette il y a des choses. Faudrait que je vérifie mais tant que je l'ai lui aussi. Ça par contre ça me dit rien. Je sais plus si le livre que j'avais, je l'avais pris d'occasion ou pas. Parce que moi, dans le mien, j'avais pas ça en fait. C'était dans la pochette. Ou alors, c'est eux qui ont rajouté ça dedans, j'en sais rien en fait. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est des œuvres d'art. Ouais, c'est des œuvres d'art. Ouais, celui-là, c'est mon préféré. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est un petit jeu. Je dois Pokémon, carrément. Ah oui. Bon, ça c'est un petit peu dommage, il y a des autocollants qui ont été collés sur le livre. Sinon, bon, à part ça, il est en très bon état. Ce que j'aime bien comme jeu, c'est ces jeux-là, là, où on doit trouver les différences. Ça, c'est bien ça. Cette différence qui existe entre ces deux scènes de l'histoire. Et quelques quiz. Ouais, le reste, tout est en très bon état. Bon, c'est plus ça qui me... Voilà, c'est pas très grave. Hein, ça a été donné, on va pas se plaindre. Hein. Donc du coup, le tout me revient à peu près pour 30€. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes achats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces, des commentaires, faites partager, abonnez-vous si ça vous plaît.